Eh bien c'est tout le monde, c'est Necro, bienvenue aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Avant que le vidéo commence, je t'invite à liker, de partager, de t'abonner à la chaîne YouTube, d'activer les notifications, de s'abonner à la chaîne, se trouve en description, merci à tous ceux qui le feront. Bref, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars, de glitch GRP en illimité, toujours fonctionnel les gars, ça fait vraiment plaisir en 1.60. Donc voilà, je vais vous montrer aussi les petits changements qui s'est passé à la fin de la vidéo, parce que oui forcément, il y a eu des petits changements qui ont changé malheureusement par rapport au glitch, vu qu'il a eu un petit patch encore une fois en 1.59, et du coup depuis 1.59 du coup ça a changé, on compare à 1.58. donc voilà, donc c'est très simple, si vous êtes en duo ou en solo ça reste la même chose, sauf qu'en duo votre ami va devoir vous inviter en PDG, donc c'est très simple, c'est pas compliqué hein. Sinon la manip reste la même chose, vous allez bien voir. Donc là mon ami va s'est invité du coup directement, va m'inviter dans son PDG et va devoir lancer un contrat par téléphone pour tomber sur la mission Popstar, comme moi sur la vidéo qui en va arriver. Donc là il m'a invité dans son PDG, bim, et ce qu'on va faire c'est que du coup là c'est que mon ami va lancer son contrat par téléphone et normalement on va tomber sur la mission Popstar. Faut être à peu près au même endroit que moi sur la vidéo, donc à peu près à côté du LS Custom en ville, c'est très important, c'est là en général on a plus de coups à avoir la mission Popstar. Donc voilà. Donc c'est très simple, on va attendre que la mission commence, qu'il appelle Franklin et qu'il aille au téléphone répondre, et normalement du coup si on tombe sur la bonne mission ça va être bon. Si vous tombez pas sur la bonne mission, vous allez faire start éditeur et revenir dans la session qu'on était juste avant, donc celle-ci où vous êtes avec votre ami, donc il va réutiliser la même invitation que vous avez envoyé tout à l'heure du coup voilà. Donc la contrat par téléphone, la Popstar, donc voilà, ça reste exactement la même manip, mais il y a une petite technique aussi les gars par rapport à cette Popstar. Donc soit vous prenez une moto aussi bien qu'en duo qu'en solo, hein, et vous utilisez le pistolet IEM et vous l'immobilisez, faites attention parce qu'au bout de 4 coups d'affilée, il va exploser. Donc faites 3 coups, montez dans le véhicule, faut qu'il tombe de son véhicule et en fait directement, faut pas qu'il se relève. Donc s'il se relève mais qu'il a pas tiré, c'est bon. S'il se relève et qu'il vous tire dessus ou qu'il se téléporte, ça veut dire que ça sera mort, vous allez pas gagner d'RP ni rien. Donc, voilà, je vous ai mis ça en accéléré rapide complet parce que c'est vrai que on a pas mal galéré malheureusement parce que ça faisait très très longtemps qu'on l'avait pas fait, du coup j'étais sur un nouveau compte et je voulais retester si vous pouvez voir si ça fonctionnait, mais au final ça fonctionne toujours. Donc voilà, c'est plutôt bénef, donc voilà, comme ça vous aurez les levels sur les comptes lobby ceux qui demandent. Donc voilà, mais j'ai eu vraiment un bug chelou à un moment donné quand j'étais en train de faire la mission avec le PNJ. Vous allez voir juste après, vous allez rigoler, je sais pas ce qui s'est passé du tout avec le PNJ, mais bon, vous allez bien voir. Du coup là le PNJ il va s'arrêter en fait à un moment donné comme là sur la vidéo. Donc le but c'est de le bloquer hein, et de faire en sorte de le sortir son véhicule. Et regardez, moi je veux rentrer dans son véhicule, je spam triangle et regardez ce que ça me fait. What the fuck, je comprenais pas. En fait mon perso il reste bugué en fait, il veut rentrer. Je sais pas ce qu'il faisait mon perso, j'avais pas compris. Voilà, c'est n'importe quoi, en fait mon perso se balade avec le véhicule sans être dans le véhicule. Allez comprendre. Donc voilà, bref, du coup reprenons la vidéo, hein, c'était la petite parenthèse. Donc c'est simple, en fait ce qu'on va faire c'est que soit on prend un MOG, soit on prend le pistolet IEM, ça va plus vite. Bon là nous en fait on a plus de balles de pistolet IEM, puis même on avait un peu la flemme. Donc là ce qu'on va faire c'est que je l'ai bloqué ici, et en fait le but c'est qu'il faudra que je monte passager en fait, et que je dégage en fait le PNJ. Et en fait ce qu'il faudra faire, il faudra pas qu'il tire, hein, surtout pas. Là il avait tiré mais il m'avait pas tiré sur moi, il avait tiré au sol. Donc c'est à dire que ça a marché quand même, au départ je me suis demandé quand même si ça fonctionnait toujours, et le but en fait faudra bien mettre sa roue droite ou gauche sur son torse, voire au milieu à peu près, presque au niveau de sa tête. Et regardez bien comment les levels montent. Bon là j'étais pas bien placé parce que justement j'étais en pente, mais là ça monte tout seul, donc je vous ai mis en accéléré rapide. Je suis monté level 150 à peu près, donc franchement il est toujours fonctionnel, toujours aussi rapide, aussi bien qu'en solo et qu'en duo. Bref, sur ce les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas du coup à liker, de partager, de vous abonner à la chaîne. Merci à tous ceux qui le feront. Bref, sur ce les gars, c'était Necro. Ciao tout le monde, à la prochaine.